cap diriger yo. Eh ben nous pas qu'à vle que pour n'attendre résultat pendant que démarche pour nous entreprendre pour nous un résultat nous pas entreprendre yo. Ça ouais ça ta supposons béaba. C'est ça qui fait que je dis à n'importe qui a décidé de faire n'importe quoi. Arvel Jean-Baptiste, c'est le responsable de cabinet du CPT. OK? Il écrit ministre Affaires étrangères, là, Dominique Dupuis, pour en nous dit convoquer pour venir par explication sur ce qui est passé dans la planification et participation Haïti dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Est-ce que c'est le droit du directeur de cabinet? Est-ce que chef cabinet CPTA capable de convoquer un ministre? Est-ce qu'il est capable de convoquer un ministre? Est-ce que le ministre n'est pas devant le premier ministre redevable? Est-ce que c'est pas devant le premier ministre redevable? Maintenant, étant donné que moi je dis nous que nous pas ni dans la constitution ni dans la loi, nous prenons chance nous pour nous faire n'importe quoi tout. Et puis nous dit n'a fond bagaille qui capable paraître tant une sorte de ballon d'essai s'il passe. Il passe. S'il passe. Il passe. Mais sauf que le Arvel Jean-Baptiste et ces effets-là, c'est en fonction de la graine logique qu'il fait. En fonction de la logique que, en politique, ce qui est déterminant, c'est le rapport des forces. Rapport de force, yo, s'il estime que, dans un contexte donné, la faveur à Bali, eh bien, il n'a pas avancé. Par exemple, nous songeons que chaque président qui vient, il y a une graine pleine, il fait. Il dit que, ou mettons un premier ministre, ou pas même qu'à révoquer, si vous voulez. Ou il n'est pas valide qu'on a plein de bagages, ça, et Jovenel plein de bagages, ça, etc. Très souvent, qui ça a fait, il y a un premier ministre en dégoûtance. Ou bien depuis un lag, depuis le monde qui est en poste là, il fait une lettre de démission, il a juste mis cette date là. Parce qu'en général, on ne révoque pas un premier ministre, le premier ministre démissionne. Mais si c'est pété ça qui l'a, tu as révoqué Gary Conille, tu as révoqué déjà. Yeah. Si c'est pété ça, tu as révoqué Gary Conille, avec toute équipe liée, elle t'a fait ça déjà. L'inverse est tout aussi vrai. Si Gary Conille était qu'à révoquer tout même CPT, elle t'a fait ça. Si Gary Conille était qu'à craser CPT, il t'a fait ça. Donc, son jouet chatak souit, yon a veillé l'autre. C'est ça qui a passé là. Mais l'on a fait distraction ça. Intérêt pays, il y a beaucoup de gens là-dedans. C'est ça qui fait beaucoup de gens qui annoncent rien, beaucoup de gens qui ont un concret qui décide. Parce que tout le monde a regardé s'il y a renforcé le pouvoir, s'il y a sauvegardé le pouvoir pour continuer bien mener et puis la population continue dans le tête. Tout le monde qui monte sous pouvoir pas intéressé avec question de contrôle. Ou après, même le. Élection faite, il y a des élus, il y a des députés, il y a des sénateurs. Ou après que tout pouvoir exécutif toujours inconfortable avec Parlement. Sauf
s'il dans situation pour que lui placer parlementaire ça sous contrôle lui la baille des avantages etc. OK d'accord laisse ça pas un problème ni connaît il a fait mes yeux sur quantité il a fait mes yeux sur quantité de bagaille que l'a fait lui-même mais après ça nous parlons à faire contrôle nous parlons à faire contrôle dans équipe qui là dans transition là il était prévoir un organe de contrôle de la transition côté il mettait sous pied. Parce que l'organe ça mettait sous pied. Nous voyons ça qui est passé avec ça, madame Aningate là-dedans. Songez m'était pour l'idée que madame Aningate ait une contribution là-dedans. OK? Mais à la seule différence, l'homme ne rend moins compte que c'est plus un bagage qu'il a pour la galerie. Pour aider Ariel Henry renforcer pouvoir, moi te dis madame Aniga retire col dans ça. OK? Pas quitter au servir avec non, pas quitter au utiliser dans ça parce que moi li pa gagne la régler. Peut-être moun qui était dans l'environnement madame Aniga dit pas occuper Valérie Cabrancé. Et m'étais fait un petit parler avec madame Aniga personnellement. OK? Parce que moi même pas un problème parce que moi pas besoin rien dans même monde. Moi même c'est pour pays a. Si mon réflexion m'a fait me faire dans intérêt pays, a pas un problème que me partager là avec vous. Ça t'a arrivé que pendant m'a fait émission, m'a expliqué ça ou pas de brancher ou bien ou pas un réflexe pour aller prendre sur réseaux sociaux, pas un problème. Mais ça t'a arrivé me mancher téléphone moi, me l'homme dit écoute, moi j'aime t'a parler de aujourd'hui a. Me pense que selon moi-même, nous mal parti et sous continuité dans bagaille ça et les risques étaient en image et les risques passer personnalité en bas pied et le ça m'bon garantie et la vienne baisser dans soyez comme off. On ka di au monde ça. Ou pas obligé d'accord avec non parce que moi-même c'est comme ça moi parce que pas oublier non moi m'a regarder bagaille là à distance ou même en dedans ou ka peut-être gagne des bagages ou essayer comprendre et puis en plus de ça ou même ou gagne des bagages ou penser que le fait qu'on a structure ça qui capable de faire ceci et de faire cela sans compter des monde qui gagne dans l'environnement qui ont même bénéficié d'un bagage à partir de où qui dans espace là yo pas ta souhaiter quitter parce que automatiquement quitter yo même tu perd du petit job yo a on comprend tout en jeu ça. Vous comprenez? Mais moi-même, je pas l'ami, je pas faire un jeu parce que nous avons un petit job, un petit avantage, un petit privilège, l'après le perdu. Je pas l'ami, moi-même. Je ne m'intéresse pas à ça pour le moment. Je comprends que nous avons un travail qui prend le perdu job. Je comprends ça. Oui, ça a dérangé. Oui, ça a nuit. On connaît. Mais nous n'avons pas tout le temps à prioriser ce qui intéresse à tout, non? Nous ne pouvons pas tout le temps a priori ce qui intéresse à tout. Maintenant, on prend plusieurs cas de figure dans l'affaire convocation ministre affaires étrangères. On prend cas de figure côté ministre affaires étrangères, pas aller. Il ne pas répondre à la convocation. Mais s'il ne pas répondre à la convocation, qu'on y a, soit il répond. L'homme dit répondre, li écrit pour le dire, c'est pas prérogative, et monsieur, etc. Maintenant, monsieur est certain que, le ça va prendre une autre forme pour le faire. À ce moment-là, ça qu'arrivait que, le CPT, en soi, décidait de faire même démarche-là. À ce moment-là, c'est papa Vel Jean-Baptiste Capé signé une convocation pour ministre. Le ça a CPT. Mais là encore, CPT, c'est pas ministre pour CPT a sollicité. CPT a soulevé ça dans un conseil des ministres. Il a mis ça à l'ordre du jour dans le conseil des ministres. Et puis, qu'on y a, on doit décider, mais ça,
mais ça a tranché, etc. Mais c'est dans le conseil des ministres. C'est dans le conseil des ministres. Ça veut dire que Gaï koni pa ka nek rete et puis li lâche ministre affaires étrangères, il juste dit OK, allons rencontrer avec eux. Non. Moi dis c'est deux cas de figure, c'est soit pas répondre ou bien répondre. On t'a dit Dominique Dupuy dit OK là, la répondre. OK? On t'a dit Dominique Dupuy dit la répondre. Mais écoute, koni a ça parle dépendre de qui ça gagne comme argumentaire, ça va dépendre de qui ça gagne comme élément, etc. Mais qu'on y a, on garde convocation de ambassadeurs, ambassadeur d'Haïti auprès des Nations Unies, ambassadeur d'Haïti à Washington. Est-ce que CPTA n'est pas capable de convoquer deux ambassadeurs? Oui, CPTA est capable. Oui, CPTA est capable. Eh bien, ce n'est pas un problème. À ce moment-là, toute information que CPTA a besoin pour permettre que il soit capable de trancher dans le cadre d'informations à chercher sous mise en place qui était faite dans le cadre 79e Assemblée Nations Unies, Générale des Nations Unies, eh bien, il y a besoin d'éléments d'information sur la main de l'ambassadeur. Ça. Question. Est-ce que CPTA est capable de demander pour remplacer deux ambassadeurs? Réponse oui. Réponse oui. Qu'on a besoin de pour qui ça? Pour une raison très simple. CPTA, c'est lui-même, en principe, qui fait office de la présidence. Qu'est-ce qu'ils nomment ambassadeur? Mais c'est la présidence. Donc, si c'est la présidence qui nomme ambassadeur, eh bien, excusez-moi, c'est vrai que les gagnants ont autorisation du ministre des Affaires étrangères, mais avec l'aval de la présidence. Cela dit, ça peut arriver que CPT a fini convoquer deux ambassadeurs. Yo vini, vini pote précision, et puis dans la précision, yo rendu compte que et yo te fautif. Yo rendu compte que yo te mal abordé question, yo rendu compte que yo te mal planifié qui vient faire que CPT a passé mal. Eh ben ou paye le cash là faire et ouais ça. OK. L'âme nan ça cap fait de manière administrative. De manière administrative. Cependant, sur le plan politique, bagay la gen doit présenter l'autre façon. C'est qui est-ce qui gagne plus force là? Qui est-ce qui gagne plus pouvoir? Parce que ça pour nous comprendre, c'est que moun ki la yo, yo pa met tèt yo la. Ou gen CARICOM ki impose avec les États-Unis, yo impose CPTA. Ou gen les États-Unis ki impose Gaï Koni. Donc par rapport à ça, ou pral jwenn Gaï Koni au lieu de parler avec équipe CPTA nan sans ça, pou yo capable jwenn un mot 12 vivendi. Li plus paraît évident que Gaï Koni a poté patron plein de pito. Abdi Black te mette là et tendez non et m'pa konnen ki j'en a géré ti monsieur et CPT au cap bay problème là bay comme ça. Et puis soit tendez ya automatiquement blanc décidé li besoin éliminer CPT ya et me rapport faire ça tout de suite. Oui? OK? Ou après vous faire ça tout de suite. Ou après vous faire ça tout de suite. OK? Donc ça son bail comme ça. Ça son bail comme ça.
Et le ça est arrivé, eh ben, n'a qui gagne plus force là, il va le montrer ça. Il va le montrer ça. OK? Il va le montrer ça. Et automatiquement, il montre ça, ou bien il dit tête au quête. Bah, ça difficile. Bah, ça difficile. Donc, à ce moment-là, on dit waouh! Qui j'aime pour résister à un bail comme ça? Qui j'aime pour faire pour nous combattre imposition ou bien hégémonie des mouns qui sont des tuteurs? Soit CARICOM, soit les États-Unis. Mais remarquez que toute puissance où est cap mettez là, toute force où est cap mettez là, pas rien pour avec intérêt pays, non? En termes de développement, non? Tout nèg se défendre, bio défendre, qui sa bien comme pouvoir, dans qui sens pouvoir cap étaler, pour gagner plus pouvoir chaque jour. Et ça lié. Mais par rapport à ça, pardon, j'ai un pouvoir à monter. Là. Et mais c'est ça que fait, c'est comme ça, Dominique Dupuy réagit tout. Dominique Dupuy estimait que s'il gon redevancé envers Premier ministre, là, il connaît. Yeah. Bon, Dominique Dupuy connaît dans quelles circonstances il connaît une Premier ministre. Donc, il mettait le camp, côté le pensait cap marcher. Alors que, en 2011-2012, c'était l'inverse pour Gary Conny. L'autre ministre était estimé que Gary Conny était en disgrâce par rapport à Michel Martelly, puis faut te pencher vers Michel Martelly, il était là, Gary Conny. Jodia, ministre estimé que Gary Conny a plus de pouvoir que Nex et PTO. Parce que Gary Conny, c'est blanc, il mettait le.